Ta cabinet, on s'intéresse au Niger avec cette décision du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine qui n'embouche pas la même trompette que la CEDEAO. Oui, le Conseil de paix de sécurité de l'UE a relativisé un peu sa position. Il dit prendre acte de la décision de la CEDEAO d'intervenir au Niger militairement. Prendre note plutôt, et elle demande à ce que le Conseil plutôt demande à ce que une évaluation soit faite donc des implications économiques, sociales, sociales et sécuritaires d'une telle intervention au Niger. On comprend bien que l'instance en clair, l'Union africaine ne valide pas l'option d'une intervention militaire. Elle ne dit pas expressement qu'elle valide ou qu'elle ne valide pas. Elle fait un peu de la diplomande. Mm-hmm. Elle prend note plutôt de cet engagement de la CEDEAO. Elle reprend in extenso, elle endosse plutôt les décisions autres que l'intervention militaire de la CEDEAO. Oui. Et elle va un peu plus loin en demandant à ce que les États fassent en sorte que ces mesures-là soient mises en œuvre et qu'on les entrave pas, que l'action des chefs des pays n'entrave pas la mise en œuvre de ces différentes décisions-là. On comprend bien aussi que l'UA fasse un peu dans cette forme de diplomatie qui ne souhaiterait pas aller tout de suite donner un go à la CEDEAO. Il faut rappeler que des interventions comme ça, ça ne va pas de go, ça prend du temps, il y a beaucoup de paramètres à évaluer. Et pendant ce temps, au Niger, les autorités vont rapidement. Elle annonce une transition qui va prendre trois ans minimum. Et c'est à voir justement jusqu'où, comment la CEDEAO va pouvoir justifier et arriver à convaincre l'Union africaine à travers son conseil de paix et de sécurité sur justement les risques liés un peu à cette intervention. Mais on peut bien comprendre que l'UA en faisant ainsi donne du temps à la diplomatie, aux échanges, en ne laissant pas justement aussi la piste de l'intervention militaire. Parce que si il lui a dit prendre note, elle aurait pu tout de suite dire nous ne sommes pas d'accord, n'intervenez pas. Donc je pense que on continue en négociant bien évidemment à faire régner le spectre donc de l'intervention militaire sur la petite tête du Niger, même si les sécurocrates nigériens continuent à dérouler un peu leur agenda et à amener un droit d'honneur à la CEDEAO et à la communauté internationale. On peut se demander véritablement qu'est-ce que tout ça va changer dans la démarche et la détermination des autorités nigériennes à aller vite, parce que ce qu'il faut aussi dire aujourd'hui, c'est que le coup d'État est consommé. Il est consommé, il est en train de se mettre en marche. Une transition de 3 ans, je pense que c'était quelque chose à laquelle personne ne pouvait tabler. Bien. On aurait pu peut-être comprendre une année, mais 3 ans, et là aussi, c'est minimum. Ouais. Et sur l'option d'une intervention militaire, autant pour moi, sur l'option d'une intervention militaire au Niger, tout le monde n'est pas d'accord. La preuve, je ne sais pas si vous avez suivi la sortie de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a dit ceci: un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Là, il s'adresse à son président Ouattara. Un bataillon, ce sont 3 compagnies. Quand j'ai écouté mon président, donc Alassane Ouattara, parler pour dire qu'il allait envoyer un bataillon au Niger, j'ai commencé à rire. Comme lui, il n'a jamais fait l'armée, moi j'ai fait l'armée. Et il dit aussi, c'est important, moi je connais Mohamed Bazoum, c'est mon copain. Il a été renversé, mais il faut discuter pour qu'il soit libéré. Le coup d'État est consommé. Dire à Bazoum qu'on va le réinstaller en l'humain. Tout simplement. Non, mais Aboubakar, aujourd'hui, quand vous écoutez un peu, les opinions publiques sont beaucoup. Je pense que Laurent Gbagbo, il se fait beaucoup plus. Réaliste. Beaucoup plus réaliste. Il fait beaucoup plus. Bon, 800, pratiquement 1000, 1100 hommes, un bataillon de 1100 hommes annoncé par la Côte d'Ivoire. C'est pas ce qui fera justement, effectivement, la guerre au Niger. Il y a d'autres qui vont entrer en. Qui vont contribuer. Et puis, il y a aussi une présence militaire étrangère. Et je pense que
tous ces paramètres doivent être pris en compte. Mais quand vous regardez de manière plus globale, aujourd'hui, l'opinion publique, de manière générale, ne souhaite pas une intervention au Niger. Parce qu'une intervention au Niger peut avoir des conséquences dont on ne peut pas maîtriser. Vous voyez déjà qu'il y a... Certes, le Niger n'est pas autant ténaillé par le djihadisme comme le Nigeria et autres, mais il y a une bonne partie de son territoire qui fait aujourd'hui face à, en proie aux attaques terroristes. Donc, je ne pense pas qu'on va tout de suite intervenir au Niger. Je crois qu'on va aller vers un modèle où il faut négocier, il faut avoir... Il faut considérer le fait accompli. Non, mais le fait accompli, il faut l'assumer, Aboubacar. Ouais. 3 ans, certes, c'est assez. On va demander, on va faire en sorte qu'on ait peut-être 2 ans pour aller... C'est là-dessus qu'il faut peut-être négocier. Mais je ne suis pas sûr qu'on interviendrait au Niger parce que ça a beaucoup de conséquences. Allez-y, Lincoln. Allez-y, Lincoln. On a 3 minutes. Il n'y aura pas de négociation. Gbagbo parle peut-être du contingent. Lui, il a été délogé parce qu'il a confisqué le pouvoir en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous que c'est dans un palais que Gbagbo a été cueilli. Avec quel bataillon? Non, mais il faut comprendre Gbagbo. Je le comprends. Gbagbo n'est pas pour une intervention comme ça. Parce que vous savez que c'est une telle intervention qu'il a fait partie. Mais Gbagbo, c'est un confiscateur de pouvoir. Oui, bien sûr. Il a confisqué un pouvoir que Ouattara a gagné et il a été délogé. La même manière qu'il a été délogé, dont il a été délogé, l'autre pourrait être délogé. Le coup d'État au Niger n'est pas consommé. Je vais vous dire quelque chose. Quand la CEDEAO va frapper le Niger, il y aura peut-être une sorte de scission au sein de l'armée. Bien sûr. L'armée nigérienne même prendra ça. C'est pas tout. Donc, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes en faveur d'une intervention militaire. Bien sûr, pour déloger ces plaisantins. Ce sont des terroristes d'État qui sont au palais nigérien, qui manipulent une portion de la population, mais contre. Donc, vous ne comprenez pas. Et par conséquent, vous ne comprenez pas la position de l'Union africaine. Non, l'Union africaine a une position hybride. Ambiguë. Hier, l'Union africaine disait ne pas être pour l'intervention, mais aujourd'hui, le verbe a changé. C'est un langage diplomatique. Donc, plus désormais, l'option militaire n'est plus écartée et l'Union africaine ne s'oppose pas à l'option militaire de la CEDEAO. Bien. C'est ça le message qui est venu. Merci bien. Allez-y, Diaraï. Je vous dire quelque chose. L'inévitable ne sera pas évité au Niger. Au Niger. Diaraï. C'est ce que tu veux, l'école. Bien. L'Union africaine est parfaitement sur sa trajectoire, il faut le dire, puisque l'institution va dans une approche diplomatique. Ouais. En diplomatie, bien naturellement, le diplomate ne te dira jamais non. Il va justement trouver des termes pour dire « on va voir, on fera ci, on fera... » Mais après, il ne va pas dire non catégoriquement. Et je pense que c'est ce qu'est en train de faire l'Union africaine. Ouais. Et pour moi, c'est un paramétrage que l'UA demande à la CEDEAO. Parce que l'annonce qui a été faite dès les premières heures du coup d'État, moi je pense que c'est une annonce qui a été faite avec le cœur. Ce n'était pas bien réfléchi, puisque l'institution voulait coûte que coûte en découdre avec les putschistes tout de suite. Et alors que elle pouvait justement faire de la même manière, procéder de la même manière qu'elle l'avait faite avec les autres pays qui avaient connu des coups d'État. Après, annoncer des sanctions, mais aller directement dans un affront en annonçant une intervention militaire au Niger, je pense que c'était pas du tout bien réfléchi. Je l'ai dit, je ne suis pas pour cette option parce qu'il faut calculer. Comme l'a dit l'Union africaine, les paramètres économiques, les implications. Les implications et voir qu'est-ce que... C'est vrai, on est en train d'oublier la population qui doit être au centre justement de toutes les actions qui doivent viser le Niger aujourd'hui. Ouais. Et je pense que cela, l'Union africaine l'a compris. Et je pense que également, elle va amener la CEDEAO à comprendre cela pour pouvoir faire en sorte que la diplomatie gagne du terrain et que les protagonistes puissent se parler, discuter et voir comment faire des paramétrages pour justement leur accorder le même package que les autres pays en transition ont bénéficié. Merci de la part de l'institution. Oui, plutôt bas. C'est quoi, allez-y. Très rapidement. Moi, je comprends bien la position de l'Union africaine.
je l'ai dit, je l'ai redit, que sur compte une intervention militaire au Niger, ouais. Je privilégie les pressions diplomatiques, ouais. Les actions politiques et les sanctions financières qui, ouais, ont, de mon point de vue, beaucoup plus d'effet sur un pays comme le Niger, vous savez, qui n'a pas une économie très forte, et avec la recrudescence aujourd'hui de l'insécurité, du terrorisme dans le Nord. Je comprends la position de l'Union africaine parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de pays du Maghreb, parce que les plus sceptiques, ce sont les pays du Maghreb, mmh, qui font frontière les voisins, avec... Les voisins, ouais, la Libye, l'Algérie et puis d'autres pays. Le Tchad, ouais, bien sûr, qui sont contre une intervention, ouais, militaire. Et le nord du Nigeria aussi. Le nord du Nigeria, parce que ces pays savent pertinemment qu'en cas d'une intervention, les rebelles qui opèrent dans le nord aujourd'hui pourraient notamment se replier vers ces pays, ouais, et ça peut constituer, ouais, un facteur de déstabilisation de ces pays. Bien dit. Aujourd'hui, qui manque aussi de stratégie à faire face au terrorisme et à l'insécurité, bien, dans le pays. Ça, c'est un deuxièmement. Il y a aussi les pays de l'Afrique centrale qui sont aussi contre toute intervention militaire au Niger. Oui. Le cas le plus emblématique, c'est le cas du Gabon avec le président Ali Bongo Ondimba qui va briguer un troisième mandat dans quelles circonstances, mmh, vous voyez. Donc, ce sont des pays en réalité où règne la dictature. Vous le savez très bien qu'il y a, bien, plusieurs pays de l'Afrique centrale aujourd'hui. On ne parle plus de démocratie dans ces pays. Donc, c'est important pour ces pays aujourd'hui parce qu'ils savent que si ça réussit au Niger, eh bien, ça pourrait réussir aussi dans leur pays parce qu'en réalité, bien, ils font tout sauf la démocratie. Merci bien, Bassikou, monsieur le DDR. Ouais, Talibé pour clore. Si vous vous rappelez, au sortir de la réunion de la semaine dernière du Conseil de paix et sécurité, l'idée, en tout cas la position qui avait fuité, filtré de ce huis clos, c'était que la tendance générale était au refus, à l'opposition à toute idée d'une intervention. Mmh. Alors, ce communiqué final qui a été accouché finalement au forceps, ouais, donc au bout de 10 jours, mmh, vient quand même donner une lecture nuancée. C'est-à-dire que ce n'est plus un refus, un rejet catégorique, mmh, qui nous est servi, mais la CEDA, l'Union africaine nuance sa position. Certes, ne prend pas acte, mais prend d'abord note de la décision. Ça, cette réponse, prudente, en tout cas, est préférable à un refus catégorique à toute intervention à Bakar. Bien. Il faut bien le noter. Ça veut dire que si beaucoup craignaient que l'Union africaine s'y oppose catégoriquement, ouais, l'Union africaine dit, donc, évaluons d'abord les conséquences. Ça laisse penser à Boubacar, oui, que si la pression internationale, les semaines à venir, n'arrivait pas à produire les résultats, mm, et on pourrait travailler au niveau diplomatique à ce que le ton soit davantage durci, ouais, contre la junte nigérienne. Donc ce n'est pas une victoire pour la junte nigérienne, c'est une sorte de chance qu'on donne à la junte nigérienne afin qu'elle s'ouvre justement à ces négociations et que la diplomatie, qu'elle permette, bien, à la diplomatie de l'emporter. Parce que l'Union africaine annonce même la désignation d'un représentant chargé donc de la crise au Niger. Donc bien Aboubacar, dit, moi je pense qu'il ne faut pas pavoiser du côté de Niamey en pensant que l'Union africaine ferme définitivement la porte à l'idée d'une intervention militaire, mmh, mais cette formule-là vise à donner le maximum de chances possibles, ouais, aux négociations. Bien. Même si pour beaucoup, Aboubacar, un analyste disait que le fait de suspendre le Niger des organes de l'Union africaine semble traduire le message d'une sorte de coup d'État consommé, mmh, du côté du Niger. Bien sûr, bien, voilà, sûr. Puisque pendant ce temps, le général Tchani, voilà, et ses hommes continuent de déployer leur agenda sur le terrain du côté de Niamey. Allez, Mirador continue. Dans un instant, nous partons du côté des États-Unis.